14 kilos en 5 reprises de 2 minutes. Nous allons accueillir le Tunisien Issam Baroui. Amri Madani qui fait son entrée dans le gymnase de Bobigny. Amri Madani, champion de France 2004-2005, champion d'Europe 2004, face au Tunisien Issam Baroumi, champion de Tunisie 2003, 2004, 2005 et vainqueur du tournoi de la Méditerranée en 2005. Première reprise chez les moins de 74 kilos entre Amri Madani et Issam Baroumi. France-Tunisie pour le titre des moins de 74 kilos. Donc Jafar, une catégorie où il y a beaucoup de monde et du beau monde. Hein. C'est une catégorie très relevée déjà en France. Les poules sont denses, le championnat est long, disputé. Et sur la scène mondiale aussi, il y a de très bons boxeurs. Souvent on avait des France-Croatie, des France-Russie, et puis là, ça change, hein, le développement de la savate plutôt. Et c'est relevé là. C'est... Ouais, Madani qui avait brillé hein, au championnat de France. Ouais, avec une belle finale. On a rencontré des garçons comme Sarr notamment, enfin le Télémac. Et c'est un, j'aime le dire, hein, c'est un technicien d'origine hein, qui a commencé en jeune, hein, minime, cadet junior. Qui a été champion du monde asso. Et donc voilà, vous avez un exemple ici de quelqu'un qui fait de la savate et qui fait du combat, qui a fait de la technique, et voilà. Il est là. Ah ouais, c'est beau là, pour l'instant là, il nous montre un. Il nous offre un florilège technique. Superbe. Ah oui, forcément. On y a droit. Vous allez voir ce qu'il fait. Oh là, attention le contre quand même hein, du Tunisien là, qui est vif à point. Et qui mène cette reprise pour l'instant. Il n'est pas là pour rien, le Tunisien. Ouais. Il prend de l'expérience, le Tunisien, vainqueur de la, du tournoi de la Méditerranée, qui est un open, un tournoi où tous les étrangers peuvent s'inscrire, qui est très relevé, qui se durcit d'année en année. Et il l'a gagné l'année dernière. Il y a des garçons comme Borovic hein, dans le tournoi de la Méditerranée, croate. Travail en bas. Ah, c'est bien les changements de niveau de Madani. Ah, il est très très fort hein, pour surprendre. Ouais, il est boxe dans plusieurs directions. Ah, et puis il a beaucoup d'allonges, alors ça lui permet de descendre au corps avec les poings en restant protégé. Voilà ce qu'il vient de faire encore. Oh, c'est beau la sortie. Oh, quelle fin de première reprise. Ça va vite. Retour à l'action. Ça va vite. L'enchaînement n'a même pas duré 2 secondes. Il y a eu 3 coups. Mercedes qui gêne. Elle est immatriculée. Il a la main. Mercedes qui gagne devant. Ancienne gloire de la savate. Qui est DTN adjoint chargé du haut niveau à la fédération. Qui suit les garçons toute l'année, qui s'occupe des stages équipe de France, des regroupements, des sélections d'épaule, la détection, l'épaule, les anciens sports études. Donc il faut que tu déstabilises. C'est le patron du haut niveau dans notre fédération. Ça va ? Une jambe arrière, une tête. Fais-lui mal en bas, rentre pas dans le jeu là pour le moment, t'essayes de rentrer à la bagarre. Continue de boxer loin. Sors un peu plus les jambes. Continue de boxer loin, de temps en temps, travaille en bas et après à un moment donné, fin de ton bras avant et mets ta jambe avant. Camry ! Deuxième reprise. Chez les moins de 74 kilos. Ah oui, Madani, oui, qui rentre tout de suite avec un fouetté figure suivi
d'un long gauche en direct. Il n'a pas l'habitude de laisser traîner ses jambes comme ça. Et le Tunisien en profite. Il a déjà touché plusieurs fois. Alors Madani qui ne travaille jamais sur un coup. Alors lui, c'est vraiment l'enchaînement systématique. C'est un produit, ça va, de Jean-Paul. Ah oui, voilà, c'est ça. Il est labellisé. Hein. Ah oui. Il est aujourd'hui avec ça, ce qu'on fait de mieux. Hein. Alors que le Tunisien cherche un peu à s'organiser, c'est pas facile. Hein. Oh, par contre, c'est bien, attention, il est dangereux. Le Tunisien sur les contres. Ça, vous l'aviez dit, Jaffar, il faut se méfier. Il est imprécis, Madani. Il se précipite, c'est dommage. On lui a demandé de préparer ses attaques, il se précipite. Il a le temps. Ah, c'est joli, ce revers retourné. Là encore, Madani qui va encore au corps avec les poings. Il prend des risques. Ah ouais, il faut se sentir, faire ça comme ça, en pleine accélération de match. Ah, ça veut dire qu'il maîtrise. Il est à l'aise parfaitement. Il a oublié un petit peu la préparation qu'on a demandé à Amri Madani, de préparer avec sa jambe avant ou son bras avant pour pouvoir toucher. Ouais. Surtout que son gauche là dans le vide, le départ, c'est pas très bon ça. Enfin bon, on va pas se mettre. Il n'est quand même pas au coup de déchet dans sa boxe, Amri Madani. Ah non. Ah non, non. Et attention, ne pas se jeter. On a vu les contres de Barouni, alors méfiance. Un petit problème de leur distance. On a utilisé un travail avec ses mains, avec ses bras, de gêner avec ses bras d'abord pour pouvoir enchaîner les jambes. Enfin, le physique va être déterminant là, parce qu'ils sont déjà sur la fin de la deuxième et ça a été très élevé en rythme. Belle sortie. Ouais, on travaille bien avec sa jambe avant, hein, le Tunisien. Et il touche. Et fin de cette deuxième reprise. Une reprise TGV, encore une. On a été vite, très vite. Est-ce que tu arrives à voir quand il change de garde? Voilà, dans le coin du français. Tu arrives à voir quand il change de garde? Quand il change de garde, je veux que ta jambe arrière, elle vienne au corps. Il est ouvert, il est complètement désorganisé. Il est pas dans sa garde habituelle. Il se met comme ça pour pouvoir placer sa jambe avant. Tu vois? Donc si tu arrives à voir au moment où il fait ça, il faut que ta jambe arrière, elle parte tout de suite. Soit au corps, soit figure. Ok? Et ton bras arrière, tu ne le mets plus au corps, tu lui mets dans la tête. Ouais, là, tu penses dessus. Là. Voilà les consignes données par Hubert Abella et Jaffar Gemri. Alors j'aime bien dire Jaffar, parce que je m'appelle aussi Jaffar. T'es vigilant, tu lèves les mains, ils sont assez rares. Tu ne jettes pas la bagarre pour rien. Attends, tu ne jettes pas la bagarre pour rien. D'accord. Mais dès que c'est collé à lui, plutôt que d'essayer de te faire. Ah, c'était bien vu ça. Et ben, tu travailles, tu travailles. Et la sortie, tu me la mets au pied derrière. Allez, c'est le premier au milieu du ring pour la troisième reprise. Amri Madani, très applaudi ici à Bobigny. Et c'est parti pour le titre mondial. Oh là là, le choc des côtés bas. Allez, bien vu. Bien vu pour l'attaque et bien vu pour le contre du Tunisien. Ah, il y a des talents là des deux côtés. Oh. Bon, Tunisien qui essaie de gêner avec ses jambes hein, pour pouvoir enchaîner. Mais... Voilà. Oh là, le combat qui se durcit. Ouf, c'est joli ce côté qui dure. Il est touché, il l'a pris dans la mâchoire, mais il n'est pas très lucide, Tunisien. Oh, c'est bien ce qu'il fait. Madani. Intelligemment, il est descendu ensuite dans la région du foie après avoir touché à la mâchoire avec son pied gauche. C'est le premier fauteuil. Et il ne peut plus, Barumi, il a lâché le protège-dents, ça y est, c'est fini. Il est champion du monde élite, Amri Madani, et d'une magnifique façon. Ah là, franchement, on ne peut pas rêver mieux. Non, on ne peut pas rêver mieux. Je vais vous expliquer un petit peu sa joie. Bon, c'est normal, il est champion du monde, et il m'avait dit, Jaffar,
je veux être champion du monde pour pouvoir ensuite plus me consacrer à mes études. C'est un athlète de haut niveau sur l'INSEP et il veut préparer le professorat de sport. Et voilà, en partie la joie qu'il exprime ici, bien sûr. Voilà une belle histoire. Regardez, on revit, le dernier enchaînement. Il arrive ici, se fouetter. Après la série de points. Juste à la mâchoire. Et il est suivi d'une droite. Ensuite, il y a le travail au corps. Voilà, la pointe au foie quand même. Ça aussi, ça fait mal. Ça fait mal, mais ça coupe, c'est sûr. Et là, il n'en peut plus, Barumi. C'est terminé. Soulé à peu près pendant 10 secondes, il n'y a pas de réaction. Donc l'arbitre est obligé de compter. Le Tunisien n'a pas voulu reprendre, donc c'est logique. Ça va vite en face, hein, Jean-Paul. Amri, tu pensais que ça irait aussi vite et que ce serait aussi dur? Tu as dû augmenter les rythmes au fur et à mesure des reprises? En fait, non, je pensais que ça allait être un combat, enfin, ça a été un combat dur, mais je pensais que ça allait aller jusqu'au bout, des 5 rounds. Et en fait, j'étais tellement concentré, j'avais tellement d'envie que j'ai accéléré. Et voilà, j'ai eu de la chance que ça se finisse avant, mais bon, félicitations à mon adversaire parce que c'était pas évident, il était explosif, il faisait mal au point. Qu'est-ce qui était la clé du match pour toi? Ma détermination. J'étais vraiment décidé, j'avais vraiment envie de briller devant mon public ici, Bobigny. Et ça m'a fait pousser des ailes, je sais pas, mais... Alors après, titre mondial, la suite, c'est quoi maintenant? Bah là, en boxe française, en toute modestie, j'ai fait le tour, quoi. J'ai gagné les Europes, j'ai gagné les mondes. Je compte continuer encore pour essayer de prendre de l'expérience et puis m'aguerrir encore. Et puis bon, bah, on verra par la suite. On verra. Bon repos pour l'instant, alors. Merci. Merci, Amri.